volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mariana. Papa. Tu veux que je te réchauffe un peu de soupe? D'accord, Bonnie, merci. Ça marche. Moi aussi, je veux de la soupe. Je l'ai proposé à Mariana et pas à toi. Excuse-moi, Mariana, mais cet homme est vraiment inutile. Il est tout le temps assis sur cette chaise occupé à lire. Il n'épluche pas les patates, il ne lave même pas une assiette, il ne sort même pas les vêtements de la machine à laver. Non. Si tu veux manger, cuisine. Ah. Du pain avec ta soupe? Oui, écoutez-moi, merci. Toutes les deux. Je suis l'homme de cette maison et les hommes doivent être pris en charge. J'ai parlé. Hey. Et cette robe est de la dernière collection de Galliano, ça te plaît? Tu es très jolie dans tout ce que tu portes. Et si je ne porte rien, je suis encore plus jolie. Tu es une coquine, hein? Mais tu sais quoi? Je suis très heureuse que tu aies retrouvé le sourire. Vraiment, ma chérie. Personne ne pouvait imaginer que tu aies une blessure aussi grave. Oui, mais ça, c'est du passé. C'est fini, tout ça. Regarde, je peux déjà sauter, danser et tout parfaitement. Je suis très heureuse que tout ça soit fini. Oui, bon, ça, c'est un autre sujet. Tout n'est pas fini, comme tu dis. Je me retrouve à la rue. Je n'ai pas d'endroit où vivre. Comment ça? Tu n'es pas partie vivre chez Adri? J'y étais, mais je n'y suis plus. Et j'ai eu des problèmes horribles avec Alicia. Elle est furieuse et elle meurt de jalousie parce que celle qui dit être ma mère sort avec Gonzalo. Gonzalo sort avec Bonnie? Tu en penses quoi? Tu t'imagines? Non, mais cette femme est tombée tellement bas. Non, 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 je n'arrive même pas à l'imaginer. Dis donc, et du coup, où est-ce que tu vas aller habiter maintenant? Je verrai bien où la nuit me mène. Non, je rigole. Non, pas ce soir, je vais à l'hôtel, évidemment. Non, non, il ne fait pas du tout chaud dehors. Tu vas rester ici. Je serai heureuse de t'avoir ici. Non, 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 je t'ai pas raconté ça pour... Non, 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 ne t'inquiète pas. Je vais dans un hôtel et puis je chercherai un appartement. Non, il n'y a pas de problème. Non, Scarlett, non. Cette maison est énorme. Et j'aimerais que tu vives ici. Sérieusement. En fait, je me doutais bien que tu ne pouvais pas me laisser sans ma soupe. Je te l'ai servi par charité. Mais c'est la dernière fois. Comment ça? Tu m'as entendu? La prochaine fois, si tu veux manger, tu dois collaborer. De quoi tu parles, Bonnie? Tu es venue m'imposer des règles? Eh bien, je suis d'accord avec Bonnie. Mariana, est-ce que tu es en train de me renier? Non, papa, c'est pas ça. Mais Bonnie a totalement raison. Tu devrais faire toi-même une grande partie du ménage, puisque tu as le temps de toute façon. Mm-hmm. Mm-hmm. Et que veux-tu que je fasse? Porter un tablier et cuisiner? Ou est-ce que tu veux que je passe le balai? Eh bien, porter le tablier n'a jamais tué personne. Mm-mm, balayer non plus. Mm-mm. Vous êtes folle. Je suis un homme. Tu es un homme mal éduqué et rusé. Mais ça va devoir changer. Tu sais ce que j'en pense? Quand on a fini, tu pourrais peut-être faire la vaisselle. Mm-hmm. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme un petit sac, tu vois. Ah. Et si tu veux, tu peux y mettre le matériel scolaire pour les enfants, ou aussi du maquillage. Mm. Et regarde ici, il y a une petite fermeture éclair, pour que rien ne tombe. Mais aussi, si tu mets ta main à l'intérieur, c'est une marionnette. Ah, j'adore ça! Une si jolie chose! Mais tu l'aimes vraiment? Beaucoup, j'aime beaucoup. Oh, Bonnie, comme c'est mignon! Eh bien, j'en ai fait un pour moi et un pour toi. Mm. C'est comme une sorte de serpent. Uh-huh. Et celui-là, c'est une sorte de chien. Oh. Tu préfères lequel? Oui. Celui-ci.
Alors, le chien est pour toi. Oui. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est très joli, merci. Comment c'était ta journée? Aujourd'hui, c'était une journée horrible. Juan Carlos ne veut plus être mon partenaire, alors il a vendu ses actions à Tony. Ça veut dire que Juan Carlos a décidé de se battre contre toi? Oui, très sérieusement. J'étais tellement triste. J'étais déprimée aussi. Parce que Juan Carlos était non seulement mon ami, mais sa mère aussi, et sa nièce aussi. Et... ça me fait beaucoup de mal. Ça me fait beaucoup de mal de les perdre. Mais cette entreprise était le rêve de ta vie. Hein? Tu as consacré des années à Béatrice Durand. J'ai fait une bonne affaire. J'ai été très bien payée pour mes actions. Oui, bien mais sûr. Rien. Maman, mais rien. Ma vie va changer. Avec la mienne, la tienne aussi. Nous allons déménager à Boston. Quoi? Ne fais pas cette tête, maman. Tu as toujours aimé vivre près de Natalia et de ma sœur. C'est une opportunité. Eh bien oui, je comprends, mais... que tout cela me semble aussi soudain. Hein? Je ne peux pas régler toutes mes affaires du jour au lendemain. Qu'est-ce que je vais faire de la maison, dis-moi? Eh bien, tu la fermes comme si tu partais en voyage. C'est aussi simple que ça. Oh, je ne sais pas, Juan Carlos. Tout ça me semble aller trop vite. Maman, dans la vie, nous devons prendre des décisions. Ou sinon, nous allons finir par devenir des victimes. Je vais appeler Nata pour le lui dire. Non, attends, on n'attend pas. Maman, on n'attend pas. Nata est une très belle demoiselle. Oh, elle est adorable, elle est magnifique. Elle te surprend toujours avec toutes les choses qu'elle dit et qu'elle fait. Elle n'a que 8 ans. Mais je te jure, elle a l'air d'avoir 20 ans, c'est impressionnant. Tu sais que tu étais pareil? Moi? Oui. Quand tu étais petite, tu étais très mature pour ton âge. Tu comprenais tout et tu participais à tout. Bon, eh bien, Nata me ressemble. Tu aimes beaucoup cette petite fille, n'est-ce pas? Oui. Oui, je l'aime beaucoup. Et pas seulement elle, j'aime aussi Isabella, la mère de Juan Carlos. Oh, c'est que je pense que j'ai beaucoup insisté pour me marier avec Juan Carlos, car je voulais faire partie de cette famille. Parce que quand j'étais avec eux, j'étais, comment dire, calme et paisible aussi. Mais c'est fini. Vivre sans maman, c'est très dur. Et en parlant de ça, je voulais te dire quelque chose. Oui. Oui, dis-moi. Mariana. Ah, excusez-moi. Je suis venu vous apporter un petit café. Hein? Que se passe-t-il? Pourquoi vous faites cette tête? Ce n'est pas toi qui voulais que j'aide dans la maison? Eh bien voilà, j'aide dans la maison. Ma chérie, goûte-moi ce petit café. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup, papa. Tu vois qu'on peut changer. Ben, bien sûr. Et vous, Madame Bonnie? Vous ne voulez pas goûter à mon café? Bien sûr que oui. Merci beaucoup. Je vais rester un peu avec vous. Je t'appelle pour t'annoncer que nous allons venir vivre à Boston. Je savais que j'allais réussir à te convaincre. Quand est-ce que vous arrivez? Eh bien, il nous faudra encore quelques jours pour régler certaines choses ici en Colombie. Mais Juanca doit se marier avec Mariana. Quand est-ce que vous vous mariez? Nata, ce que je vais te dire ne te fera certainement pas plaisir. Il n'y a plus de mariage. Tu es fou! Tu devais te marier avec Mariana! Vous avez aimé le café? C'était très bon, papa, merci. Bien, je pense que j'ai déjà fait ma part. Madame Bonnie, donc c'est bien votre tour de faire la vaisselle? Mais j'étais en train de parler avec Mariana. D'accord, mais avec Mariana, vous pouvez parler demain. Elle ne va pas s'enfuir de la maison. Les règles sont les mêmes pour nous tous. Bien, Bonnie. On dirait qu'il faut faire la vaisselle. Mais écoute-moi. Les règles sont les mêmes pour nous tous, Madame Bonnie. Viens, on descend. Il est temps de laisser Mariana se reposer un peu. Bien sûr que je comprends. Un engagement, c'est un engagement. Ma chérie,
Parfois, les engagements doivent être brisés. Quand il y a des raisons, par exemple, si tu avais épousé Mariana et que vous vous disputiez tout le temps, et vous auriez besoin de divorcer. C'est ce qui est arrivé aux parents de mon ami. Nata, si Juan Carlos et Mariana ont décidé de ne pas se marier, nous devons respecter leur décision. Nous ne devons absolument pas nous en mêler. Tu as complètement tort, grand-mère. Nous devrions nous en mêler. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Tu sais quoi, quand mes parents rentrent à la maison, je vais leur dire de m'acheter un billet pour la Colombie. Et je vais tout réparer. Bonnie. Qu'est-ce que tu allais dire à Mariana? La vérité. Je te l'interdis. Écoute-moi bien. Je te l'interdis. Oh, ne sois pas ridicule, Augusto. Tu n'as aucun droit de m'interdire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu crois au juste? Tu penses vraiment que si tu dis à Mariana que tu es sa mère, elle finira par te sauter dans les bras? Eh bien, même si ça te dérange, Mariana et moi, nous avons construit une relation. Et je pense qu'elle m'aime bien. Tu peux rire? Tu peux rire autant que tu veux. Mais il se peut que dès demain, je dise à Mariana que je suis sa maman. Nous allons voir. Nous allons voir. Bien que le pinot noir ne soit pas originaire de Bourgogne, en Californie, ils le font déjà très bien. Les vignobles de Sonoma produisent une variété fraîche et fruitée. Merci. Eh bien, pour moi, c'est délicieux. J'adore le pinot noir. Qu'ils proviennent de Sonoma, de Gomorrah, de Californie ou d'ailleurs. Je l'aime beaucoup moi aussi et les Argentins produisent aussi cette souche et d'ailleurs c'est vraiment génial. Bien sûr, les Argentins aussi. Dis donc, tu as déjà visité les vignobles de Mendoza? Oui. Oui, bien sûr que oui. Une fois, oui. Avec des amis, nous avons fait un voyage pour visiter Los Angeles. Et encore mieux, nous avons failli mourir en buvant du vin. Scarlett, Mendoza n'est pas en Californie. C'est en Argentine, à l'autre bout du monde. Ah non, mais c'était pour voir si tu faisais attention. Oh, c'est bon, on boit tellement pendant ces voyages qu'on ne sait même pas où on est. Après tout, qui s'en soucie? Oui, tu as tout à fait raison. Ces dégustations sont vraiment mortelles pour le foie, mais aussi pour la tête, oui. Il faut dire. Bon, eh bien, à quoi buvons-nous? Moi, pour nous tous. Pour tous les amis, pour la vie. Excellent toast. Santé. 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 Oh, c'est génial, Fabricio, tu avais raison, c'est fruité, ça a un goût cerise. De... Idéal pour un petit apéro avant le dîner. Et qu'est-ce qu'on va manger? Fabricio a dit qu'il nous ferait à manger, alors c'est une surprise. Et j'ai apporté tous les ingrédients, alors je vais me mettre au travail. Quoi? Tu te rends compte? Cet homme serait parfait pour toi. Santé. Tu vas vendre White Textile? Oui, c'est une possibilité que je considère. Disons que Lina se charge de cette affaire. Tu laisses le champ libre à Lina pour s'occuper d'une chose aussi importante? Qui sait de quoi cette femme est capable? Ne t'inquiète pas, papa. Lina ne peut absolument rien faire sans mon approbation. Alors il n'y a aucun problème. Jette un œil à ceci. Et... qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un secret industriel. C'est cette formule chimique des fibres que je développe avec mes partenaires français et j'ai besoin de toi pour le garder. Et pourquoi? Et ça, ce sont les contrats que nous avons avec les gens de l'urbanisation. Étant donné qu'il s'agit de ta ferme, je pense que tu peux t'en charger. Voici un document qui te donne plein pouvoir pour gérer ma participation dans ma société brésilienne. Le mois prochain, il y a une réunion très importante et il est possible que je ne puisse pas y participer. Je ne comprends pas. Demain, tu comprendras tout. Je préfère comprendre maintenant. Non, aujourd'hui, je ne vais rien t'expliquer. Écoute, voici une clé USB sur laquelle j'ai sauvegardé une copie de tous ces documents, plus tous les contrats que j'ai signés avec mes partenaires et aussi toutes les adresses. Il y a aussi... toutes les obligations que j'ai avec les banques, on ne sait jamais, tu pourrais en avoir besoin. Scarlett, tu peux me passer le romarin et le curry, s'il te plaît? Et c'est lequel? Le romarin, c'est cette petite branche verte, et le curry, c'est la poudre jaune. Je constate que tu n'aimes pas beaucoup la cuisine. Eh bien non, la vérité c'est que non... je préfère que les gens cuisinent pour moi. C'est une qualité indispensable pour un homme parfait. Oh, mais quel compliment de la part de vous deux, je suis flattée.
Fabrizio, un homme parfait. Dis donc, Fabrizio est un nom italien. Latin. Et ça signifie constructeur. Constructeur. Mais c'est un nom très étrange, non? Bon, c'est joli, mais c'est pas commun. Je n'ai entendu parler que d'un seul Fabrizio. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est un mec qui sortait avec ma sœur. Elle s'appelle Mariana. Bien sûr, c'est un gars qui n'a rien à voir. Rien à voir avec toi quand il sortait avec ma sœur. Il n'a pas cessé de la tromper. Il racontait qu'il était célibataire alors qu'il était marié, hein? Les hommes sont tous les mêmes. Bon, je vais ouvrir une autre bouteille de Pinot Noir parce que celle-là est finie. Tu sortais avec Mariana Garcia? Moi, non. Tu sais ce qui est pire qu'un menteur? C'est un très mauvais menteur. En fait, j'avais entendu l'histoire que ta femme t'avait quitté parce que tu l'avais trompée avec une vendeuse de magasin. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était Mariana. Pourquoi tu ne m'as rien dit, hein? Réponds-moi. N'insiste pas, papa, je ne vais rien te dire d'autre. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Tu m'as donné ces papiers et ces procurations pour que je sois ton représentant. Dans toutes tes affaires, c'est comme si tu allais mourir. Non, papa, ne sois pas si dramatique. Je suis juste en train de changer radicalement de vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est juste. Juste? Oui, papa. Bon, ne m'attends pas ce soir parce que je vais aller à une réunion et c'est possible que ça dure longtemps. Et avec qui? Avec un avocat. Et pourquoi? Ne t'inquiète pas, papa, je vais faire les choses bien. Je n'en suis pas si sûr. Après cet accident que tu as eu, tu as tellement changé. Oui, je ne le dis pas seulement pour l'amnésie. Non, c'est que tu es émotionnellement instable et que tu ne peux plus voir les choses clairement. Au contraire, papa. Maintenant, les choses sont encore plus claires que jamais. Qu'est-ce que tous les hommes trouvent aux sœurs Garcia, hein? On dirait qu'elles sont les deux seules femmes dans ce monde. Avec Mariana, je ne suis sorti que quelques fois et c'était... Je ne sais pas, il y a plus d'un an. Bien sûr, et qu'est-ce que tu pensais faire, retourner la voir? Je ne pense pas que Mariana veuille me revoir. Oh, bien sûr! Ce que tu veux par-dessus tout, c'est te venger de Roberto parce qu'elle t'a laissé pour lui, n'est-ce pas? Avec Mariana, tout s'est mal terminé, Lina. Oh, c'est pourquoi tu voulais tout gâcher, bien sûr, tout est clair! J'ai mis un peu de musique, ça vous plaît? Nous l'aimons beaucoup. Fabrizio, pourquoi tu ne vas pas vérifier la nourriture dans le four, s'il te plaît? Pourquoi t'es si triste? Ce qui se passe, c'est que... aujourd'hui, ma mère a eu une terrible dispute avec Scarlett. Et elle l'a jetée comme un chien. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tout est de la faute de Bonnie, la mère de Scarlett. Fercho, moi, je pensais qu'elle était une bonne personne, une femme bien, mais... tu sais quoi? Il semblerait qu'elle soit le pire. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle lui a volé Monsieur Gonzalo. Quoi? Ah, tu peux le croire? Elle l'a volé? Attends, tu peux m'expliquer tout ça plus calmement? T'es en train de me dire que Bonnie, la mère de Scarlett, sort avec Monsieur Gonzalo? Il n'était pas supposé être attaché à Madame Alicia? On le supposait, Fercho, jusqu'à ce que cette sorcière vienne ici. Et elle l'a embobiné, et bam, elle l'a eu. Et c'est ça qui me fait le plus mal, tu sais? Que je n'ai jamais vu ma mère comme ça, Fercho. Elle n'a pas arrêté de pleurer. Et elle s'est enfermée dans sa chambre et elle ne veut même pas manger. Eh bien, ça a l'air inquiétant. En plus, avec tout l'espoir qu'elle avait de ressortir avec quelqu'un... Tu imagines? Oh, Fercho, je ne pourrai jamais lui pardonner. Jamais. En plus, j'ai envie d'appeler Mariana et lui dire de ne pas la garder chez elle parce qu'elle... elle ne peut pas avoir une personne comme ça sous son toit. Elle est tellement mal intentionnée, Fercho. Ah non, monsieur. Encore mieux, on devrait lui demander de quitter le quartier, je ne sais pas. Je vais raconter à tout le monde comment elle est, Fercho. Tu vas voir la réputation que je vais lui faire. Tout le monde saura comment elle est parce qu'elle ne mérite pas le pardon. Fais attention, Miguel Angel, parce que c'est une accusation très sérieuse et très grave, et tu n'as pas de preuves. Je ne fais pas d'accusation, je te pose une question. Est-ce que tu procures des médicaments à Scarlett, oui ou non? Tu trouves que je ressemble à un dealer de drogue ou quoi? Je suis le plus grand dealer de drogue. Oh, Tony, arrête de jouer les innocents, parce que je sais parfaitement qui tu es. Je sais que tu donnes de la drogue à tous les mannequins que nous avons ici. Non, monsieur, c'est évident, bien sûr que non. Tous mes mannequins sont des filles bien et décentes. Elles ne sont pas des toxicomanes, tu m'entends? Et tout comme moi, d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais je ne te crois pas. Ben, regarde, fiu-fiu, c'est ton problème. Tu oublies que je t'ai vu dans mon studio en train d'acheter de la drogue? La morphine administrée à Béatrice, c'est toi qui l'as achetée. Non, attends, écoute-moi, s'il te plaît. Miguel Angel, c'est très différent. Nous étions avec Lina en train de faire un travail de charité comme une action sociale, un peu comme une ONG. Et nous voulions l'aider à calmer sa douleur car elle se plaignait qu'elle était terrible. Oui, mais il se passe la même chose avec Scarlett. Sa jambe lui fait très mal. J'espère que tu n'as pas une autre œuvre de charité avec elle. Tony, regarde-moi. Pourquoi? Tu sais que Béatrice est morte d'une overdose de morphine?
Oui, tu as bien entendu. La drogue que tu as achetée et qui a été donnée à Béatrice l'a tuée. J'espère que cette fois, ça n'arrivera pas avec Scarlett. Non, je ne pense pas que Scarlett prend des petites pilules, donc ça ne devrait pas. Ah, alors c'était toi ? Oui, mais ces pilules sont tout à fait inoffensives. Écoute, Tony, fais attention. Tu ne dois plus donner une seule pilule à Scarlett. Miguel Angel, si elle veut se droguer, elle ira prendre les pilules ailleurs. Bon, alors nous verrons. Mais sache que si je découvre que tu lui donnes une pilule de plus, tu auras de gros problèmes avec moi, tu m'entends ? Dis donc, Bougodan, tu me menaces ou quoi ? Non. Je te dis carrément que je peux te tuer. Oh, Fabrizio, le repas était tellement délicieux. J'ai mangé comme un ours, je pense bien que je vais pouvoir hiberner maintenant. Si tu veux, je peux te ramener chez toi. J'allais partir. Scarlett va rester dormir ici. C'est très gentil, merci, mais ce soir, je vais rentrer chez moi. Je vais voir s'il y a encore du café. Aïe, je reviens tout de suite. Aïe, ça fait mal. Lina, je ne te comprends pas. Tu ne voulais pas que je sorte avec Scarlett ? Ton jeu de séduction avec Scarlett est suspendu. Oui, mais c'était ça notre plan. Le plan a changé. Tu m'as caché des informations précieuses, maintenant je dois replanifier mes idées. Bon, quelqu'un veut du café ? Non, Scarlett, merci beaucoup, mais je dois partir. Au revoir. Au revoir, Fabrizio. Scarlett, c'était un plaisir de te rencontrer. J'ai passé un très bon moment. Je te raccompagne à la porte. D'accord, merci. Allons-y. Nous devrions nous revoir une autre fois. Quand tu veux, tu sais où me trouver maintenant. Ne sois pas si pressé avec moi. Il faut y aller doucement. Alors je ferai preuve de patience. Il vaut mieux. Au revoir. Lina! Oh, c'était vraiment bien. Fabrizio est très beau et d'ailleurs, il est super sympa. Et en plus, il cuisine. Un homme parfait. Je pense que tu avais tout à fait raison. Au contraire, tu vois, je pense que l'homme parfait n'existe pas. Tu sais quoi? Je suis vraiment fatiguée. On va dormir? D'accord. Sans importance? Écoute, Fabrizio, tu m'as menti. Comment peux-tu imaginer que je vais te faire confiance de nouveau? Tu n'as aucune autre ressource. L'autre option serait d'oublier le marché. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons oublier notre marché parce que je ne pense pas te vendre une seule action. Mais tu as besoin de moi, Linita. Moi, je n'ai besoin de personne. C'est justement là où tu as tort. Imbécile! Lina, en fait, je n'ai pas de brosse à dents, ni de dentifrice, ni rien. Dans la salle de bain, il y a des brosses à dents neuves et du dentifrice aussi. Merci. Dis donc, est-ce que ta jambe te fait toujours mal? Parce que tu bois terriblement? Oh, Lina, cette jambe me désespère tellement. Ça me fait très mal. Oh, chérie, tu devrais en parler à Miguel Angel. Mais Miguel Angel ne conduisait même pas. Répète un peu. Ah, oublie ça, non. Oublie ça. Je n'ai rien non, dit, je non, n'ai non, rien non, dit. Non, 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 répète-moi ça. Bien. Miguel Angel ne conduisait pas le jour de l'accident, Lina. C'était Roberto. Et pourquoi tu ne m'avais rien dit? Parce que je suppose que c'était un secret, mais comme maintenant tout le monde le sait, c'est pas grave. Bon, alors viens ici et raconte-moi cette histoire dans les moindres détails. Aïe. Alors... Alors, dis-moi tout. C'est long. Peu importe, j'ai du temps. Si c'était Monsieur Roberto White qui conduisait au moment de l'accident, alors l'affaire se complique un peu. Il implique le parjure et l'alcool avec des blessures personnelles. Des blessures personnelles très graves. Mon amie Scarlett est en très mauvais état. Elle ne pourra pas travailler. Vraiment, quelle situation injuste. Maintenant, qui va payer pour elle, hein? Je ne sais pas quoi vous dire, Mademoiselle Lina, parce que légalement, personne n'y est forcé. Quand Miguel Angel Lozano a été libéré, l'enquête officielle a été bouclée. Mais le fait que l'alcotest était négatif, il n'a pas été reconnu coupable. C'était un cas fortuit, mais avec cette nouvelle information, l'enquête peut être réouverte. Et maintenant, quelle serait la procédure? Il faudra bien que quelqu'un fasse la demande. Est-ce indispensable? C'est le cas. Mais si Mademoiselle Scarlett Garcia, qui est la personne directement impliquée dans cet accident tragique, ne porte pas plainte,
qui d'autre pourrait être intéressé à rouvrir l'affaire? Ne croyez pas ça. Je vous assure qu'il y a quelqu'un qui est très en colère contre cette injustice qui a été commise. Le père de la victime, Auguste Garcia. Tu n'as pas le droit de parler à Mariana, Bonnie. Ne sois pas ridicule, Augusto. Personne ne va m'empêcher de dire les choses et toute la vérité à Mariana. Ah, écoute un peu comment elle se sent forte. As-tu été contaminée par l'arrogance du vieux Gonzalo White? On voit tout de suite que tu n'as jamais été intime avec Monsieur Gonzalo. Sûrement pas aussi intime que toi, mais c'est un White. Les White ont le diable dans le sang. Tu es toujours aussi rancunier. Il semblerait que ces années ne t'ont servi à rien. Non, ma chère dame. Le temps m'a enfin confirmé que les White sont devenus pires, ça ne s'arrange pas. Et je ne resterai pas les bras croisés. Je leur ferai payer tous les crimes qu'ils ont commis. Oh, de quel crime tu parles, Augusto? Ici, le seul immoral, c'est toi. Ah, voilà que tu les défends maintenant, hein? Mais le fait que tu avais une liaison avec Gonzalo White n'efface pas ta vie de débauche. Tu es une personne sans vergogne. Ah! Ne me manque plus jamais de respect. Tu m'entends? Le statut juridique de Monsieur Augusto est plutôt compliqué. Le processus est en cours et s'il échoue, il devra aller en prison, il ne pourra pas y échapper. La falsification est un délit qui n'est pas du tout excusable. Vous devez faire en sorte qu'Augusto prenne conscience de ce qui arrive. Il jure qu'il n'a plus de problème avec la justice. Il ne sait vraiment pas ce qui se passe. Oh, pauvre homme. À cause des White, sa vie a été vraiment chamboulée. Il y a un problème, maître? Pourquoi vous me regardez ainsi? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, mademoiselle Lina. Si Monsieur Roberto est un partenaire de cette entreprise, pourquoi voulez-vous le blâmer? Roberto s'est très mal comporté. Non seulement avec moi, mais avec tout le monde. Il a été très cruel avec ma sœur, que son âme repose en paix. Il a fait souffrir mes amis. Maintenant, il a blessé Scarlett. Il y a une limite à tout, maître. Je ne vais pas assumer toute l'irresponsabilité de Roberto, car vous savez qu'avant tout, je suis une femme correcte. Ça, je le sais, mademoiselle Lina. Je sais que parfois, j'ai laissé passer certains comportements douteux de Roberto. Je ne sais pas si c'est par loyauté, mais le moment est venu où il doit répondre de ses actes. Je ne peux pas devenir sa complice. Je le comprends parfaitement. Alors, s'il vous plaît, parlez à Augusto. Expliquez-lui quelle est la situation. Je suis sûre qu'il va lui-même engager une action contre Roberto. Je vais immédiatement contacter Monsieur Augusto Garcia, mademoiselle Lina. Passez une bonne journée. Maître, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ah, c'est génial de ne pas avoir beaucoup de vêtements, non? On est prêts. En quelques minutes, c'est génial. Scarlett, je ne veux pas que tu partes d'ici sans avoir un endroit où habiter, comme si tu étais une gitane. Non, Adrie, ne t'inquiète pas. Pour moi, ça va pas durer longtemps. Je vais trouver un endroit sympa, beau, accueillant, mais surtout un endroit d'où je ne serai pas expulsée. Oui, ne me dis pas. Mais en attendant, tu vas dormir, hein? Chez une amie. Quelle amie? Lina. Qui? Lina Durand? Scarlett, tu vas rester chez cette femme odieuse. Odieuse? C'est ta mère qui est odieuse, elle m'a jetée à la rue comme un chien. C'est la tienne qui a volé le petit ami de la mienne. Mais je n'ai pas de maman, Adriana, combien de fois dois-je te le dire? Je n'ai pas de mère, qu'est-ce que tu as? Tu es têtue, sourde, idiote ou quoi? Oui, bon, ne m'insulte pas, j'essaye seulement de t'aider, Scarlett. Et moi? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dis, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ta mère, Adriana? Pourquoi je dois payer pour les horreurs et erreurs de Bonnie? Non, ma chérie. C'est ce que je dis, je ne comprends pas pourquoi Mariana lui permet de vivre chez elle. Oh, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Pour ma part, cette jolie princesse va vivre au manoir Durand. C'est une maison qui, oui, est à ma hauteur. J'imagine. Alors que Lina est ton amie? Une amie très intime. Alors tu la préfères à moi? Va le demander à ta maman. Ou à la belle Bonnie si tu veux. Mieux encore, tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler Mariana et lui dire de chasser cette femme de sa maison. Les résultats du test ADN sont très concluants. Positif? La comparaison de la séquence ADN mitochondriale assure le résultat à 99%. Alors, c'est donc vrai? Je ne comprends pas. Si personne ne m'accuse, ce ne serait pas plus facile de clore ce dossier? C'est ce pourquoi mademoiselle Lina vous paie? Oui, monsieur Augusto. Mais vous devriez aussi comprendre que Monsieur Gonzalo White est une personne très influente et que les autorités ne vont certainement pas boucler cette affaire sans vous imposer une punition. Oh, encore une fois, les White!
Jusqu'à quand est-ce que ces misérables vont-ils continuer à détruire ma vie? Comme si ce n'était pas suffisant que ce dépravé de Gonzalo White séduise encore une fois ma femme. Votre femme? Je pensais que vous étiez veuf. Je suis veuf de ma première femme depuis qu'elle est décédée. Mais Gonzalo White court maintenant après ma deuxième femme. Cet homme est un être abject. Eh bien malheureusement, monsieur Augusto, vous savez très bien comme moi que les riches ont les moyens de fuir leurs responsabilités plus facilement. Comme dans le cas de monsieur Roberto White. De quoi parlez-vous, maître? Eh bien l'accident de voiture dans lequel votre fille a été impliquée. Et le responsable, c'est Roberto White. Aïe. Et je suis presque sûr qu'il ne paiera pas pour ça. Vous êtes très mal informé, monsieur l'avocat. Quand ils ont eu l'accident de la voiture de Roberto White, c'était l'autre qui conduisait. Miguel Angel Lozano. Non, monsieur Augusto. Quand cet accident s'est produit, c'était Roberto White qui était au volant et il était en état d'ébriété et roulait vraiment trop vite. Comment ça? Est-ce que vous êtes en train de me dire que Roberto White était au volant? En êtes-vous vraiment sûr, maître? Complètement certain, monsieur Augusto. Donc, c'est comme ça? Alors il va devoir payer pour tout ce qu'il a fait. Je ne vais pas permettre que ce criminel reste plus longtemps en liberté. Roberto White va me le payer. Monsieur Gonzalo, ils vous ont donné les résultats? Oui, Bonnie, j'ai les résultats dans les mains. Vous confirmez que je vous ai dit la vérité? Oui, ça confirme que vous êtes la mère de Mariana. Je vous dois les excuses. Non, il n'y a pas de problème. La seule chose qui importe, c'est que vous n'en parliez à personne. Non, je ne vais rien dire à personne, n'ayez crainte. Mais vous et moi devrions maintenant parler à Alicia. Et je veux que nous le fassions aujourd'hui même. Tu es vraiment sûre de ce que tu me dis, Adri? Mariana, j'en suis certaine, je te dis. Ma mère les a trouvés se racontant des secrets. Bonnie et Monsieur Gonzalo, ces gens-là sont fous. Et tu sais ce que j'ai vu? Je les ai vus dans la voiture. Monsieur Gonzalo ramenait Bonnie à la maison. Qu'est-ce que c'est? Des amis très proches qui se tiennent la main et tout, Mariana? Non, mais cette femme est une briseuse de ménage. Regarde, regarde ce qu'elle a fait à ta mère. Mais à moi, elle m'a dit que mon père lui courait après, mais qu'elle n'était jamais intéressée. C'est pour ça qu'elle est partie pour l'Espagne, Adri. Elle est partie en abandonnant Scarlett, Mariana. Dis-moi quel genre d'être humain ferait une chose pareille, abandonner sa fille. Elle n'a pas de sentiments ou quoi? Mais c'est une menteuse. Parce que j'ai vraiment cru qu'elle avait fait des erreurs dans sa vie, mais qu'au fond, c'était une bonne personne. Regarde. Regarde ce qu'elle m'a donné. Tu es encore plus naïve que moi, non? Ne me dis pas que tu lui permets de t'acheter des cadeaux. Bien sûr que non. Comment tu peux penser ça? Oh non? Non, mais tu as réussi à me convaincre, Adri. J'avais même fini par lui pardonner pour les souffrances qu'elle a causées à ma mère et tout. Regarde comme elle te le rend. Oui, j'ai fait une erreur. Et moi alors? Moi aussi j'ai fait une erreur. Mais tu sais quoi? Ça ne peut pas continuer comme ça, Mariana. Tu dois la chasser de chez toi parce que c'est une femme très dangereuse. Tu n'as pas peur? Tu sais que tu as raison. Si Scarlett, sa fille, ne veut rien savoir d'elle, pourquoi je dois lui donner un endroit pour vivre? Pourquoi oui, moi? Pourquoi? Oui, je vais lui demander de partir de chez moi. Et qu'elle parte bien loin, Mariana. Qu'elle parte très loin parce que personne ne veut voir Monsieur Gonzalo devant chez toi. Tu imagines le spectacle? Je suis vraiment en colère contre Monsieur Gonzalo, Mariana. Si tu voyais à quel point ma mère souffre. Oh, ces White sont une plaie, vraiment. Oh, ne parle pas comme ça, Adri. Dis-moi comment c'était pour toi avec Roberto. Hein? Ce n'était pas génial, n'est-ce pas? Tu vois bien que ces White sont nés pour faire souffrir les femmes. Oui, madame, je l'ai dit. Je suis désolée de vous interrompre. Mariana, ton ordinateur sonne étrangement sans arrêt. On pourrait même croire qu'il y a un téléphone qui sonne à l'intérieur. Oh, Martika, c'est juste un appel entrant en visioconférence. C'est Nata. Bonjour, beauté. Comment ça va? Mal, parce que tu n'assumes pas ce que tu as promis. Juan Carlos m'a dit que tu n'allais pas te marier avec lui. Eh bien, il s'est passé des choses bien tristes, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a de plus triste que vous deux qui vous mariez pas? Non, Mariana, tu m'as dit que tu allais être ma tante et tu n'as pas tenu cette promesse. Mariana est ta fille? Oui. Je n'arrive toujours pas à y croire. Et c'est pour ça que je ne voulais rien te dire avant. Je voulais avoir une preuve que ce que Bonnie disait était vrai, et la voilà. Ah, c'était ça le secret que tu cachais? Bien, c'est plus qu'un secret. C'était quelque chose que tu n'aurais pas dû savoir parce que ce n'était pas sûr. Mais maintenant que ça l'est, Mariana est la fille de Bonnie. Non, mais c'est que c'est incroyable. Oui, je sais. Mais
Dis-moi, comment se fait-il que ta fille a fini par devenir la fille d'Elena? Comment vous racontez ça, Alicia? Parfois, il y a des choses dans la vie qui ne se passent pas comme on le voudrait. Eh bien, tu verras, quand je serai de retour en Colombie, tout sera réglé. Et tu vas épouser Juanca. Oh, mon amour. J'aurais aimé que les choses soient si simples, ça aurait été tellement plus facile. Tu ne crois pas que je vais venir en Colombie? Regarde, nous avons déjà acheté les billets. Et mes parents doivent venir avec moi pour une histoire de taxes. Donc je les ai convaincus qu'on y aille tous les trois. J'ai pris des jours de congé à l'école. Ah, Nata, c'est sérieux, tu vas venir? C'est chouette, mon amour. Je suis trop contente. Bien sûr, je tiens mes promesses, moi. Mes parents sont partis faire des courses pour acheter des choses pour ma grand-mère. J'irai avec eux acheter votre cadeau de mariage. Ma chérie, je voudrais que tu comprennes qu'il n'y aura pas de mariage. Je ne veux pas que tu viennes ici avec des attentes qui ne se réaliseront pas, ma princesse. Vraiment, sérieusement, je ne vais pas me marier avec Juan Carlos, mon amour. Crois-moi. Je suis tombée enceinte de Mariana quand j'avais 14 ans. Le père ne voulait pas assumer ses responsabilités. Ma famille m'a expulsée de la maison. Alors je me suis retrouvée seule, sans aucun soutien. Et j'ai rencontré Elena. J'ai alors décidé de lui donner ma petite fille. D'abord parce que je n'avais pas d'argent pour la nourrir. Et ensuite parce qu'elle s'était vraiment attachée au bébé. Mais quand 2 ans plus tard, j'ai décidé de revenir pour elle. Elena ne voulait pas me la rendre. Donc quand tu es réapparue, ce n'était pas parce que tu avais quelque chose avec Augusto, mais parce que tu voulais récupérer ta fille. C'est ce que j'ai prétendu. Mais bon, les choses se sont vraiment compliquées. Et Augusto a profité aussi de la situation. Oui? Nata, mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui... Un accident? Un accident? Nata! Nata, parle-moi! Nata! Nata, parle-moi! Natalia! Augusto m'a embobiné. Il m'a dit de rester un peu de temps avec eux. Parce que comme ça, la petite s'habituera à moi. Mais c'était un mensonge. Il ne pensait pas à me la rendre. Augusto avait d'autres projets. Il m'a harcelé, m'a manqué de respect. Et je n'ai jamais rien dit à Elena parce que j'avais peur de créer de gros problèmes, comprenez? Je rêvais seulement d'emmener ma fille le plus loin possible de cet endroit. Oui, je me souviens très bien qu'à cette époque, Augusto buvait beaucoup. À chaque fois qu'il était saoul, il entrait dans ma chambre de force. Oh mon Dieu, c'était horrible. Non, Juanca ne me répond pas. Je l'ai appelée 10 fois, mais bon, rien. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre, Mariana? C'est tout ce qu'elle a dit, que ses parents ont eu un accident. Oh mon Dieu, et cette petite était à la maison seule. Écoute, Fercho, fais-moi une faveur. Appelle Juan Carlos de ton portable. Peut-être qu'il te répondra. Ah, Mariana, peut-être que Juan Carlos n'a pas son portable. Oh, ça va. Ce qu'il ne veut pas, c'est me parler. Quoi de neuf, Juanca? Tu vois, je le savais. Non, non, ici, tout va bien. C'est seulement que Mariana est vraiment inquiète. Elle veut te parler. Mais je ne veux pas parler à Mariana. Juanca, c'est urgent, mon frère. Donne-moi le téléphone. Juanca, bonjour. À l'instant, j'étais connectée et je parlais à Nata sur l'ordinateur et... Quelqu'un l'a appelé. Et il semble qu'il y a eu un accident. Un accident? Mais... Et tu as parlé à mon beau-frère ou à ma sœur? Je pense que... qu'ils sont concernés par l'accident. C'était probablement une erreur, ou je ne sais pas, ou peut-être un des amis de Natalia qui lui a fait une blague. Je ne suis pas sûre de quoi que ce soit, Juan Carlos, mais Nata était très angoissée, la petite était seule. Moi, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, je l'ai appelée sur Internet et elle était déconnectée. Mais aucune réponse, Juan Carlos. Je pense que la meilleure chose à faire... C'est d'appeler Boston. C'est bon, je vais essayer de les appeler. Merci, Mariana. Mariana? Oui, oui, s'il y a autre chose, je t'appelle. D'accord. Salut. Qu'est-ce qui se passe, Juanca? Je ne sais pas. Maman Mariana parlait à Natalia qui était seule à la maison et... Et la petite a reçu un appel très étrange. Mariana m'a appelé pour m'en informer, pour voir si tout va bien. Je devais faire ce qu'il voulait, sinon il me menaçait de ne plus jamais me rendre Mariana. Et c'est dans ces circonstances que tu es tombée enceinte de Scarlett? Bien sûr, je suis tombée enceinte très vite. Et je n'ai pas repensé à autre chose que de tout raconter à Elena. Mais bon... Elle l'a très mal pris.
Elle m'a dit que je voulais lui prendre son mari de la même manière que je voulais lui prendre sa fille et... Et elle a envoyé Mariana en Italie pour que je ne puisse plus jamais la revoir. Alors c'est là qu'Elena est tombée malade. Oui. Bonnie, mais pourquoi tu n'es pas allée le dénoncer à la police? À cette époque, il valait mieux que personne ne sache que tu attends un enfant à 18 ans. En ce temps-là, les gens n'étaient pas si compréhensifs. Être une mère célibataire était pire que d'être une femme facile. Qui aurait cru ce que j'étais en train de dire? Personne. Bon, mais maintenant avec cette preuve, ben, il n'y a plus aucune raison de cacher la vérité, Bonnie. Tu dois dire à Mariana que c'est toi sa maman. Oui. Je pense que le moment est arrivé, non? J'ai attendu tout ce temps qu'elle se rapproche de moi. Qu'elle ait le temps de me connaître et qu'elle apprenne enfin à m'aimer. Enfin, qu'elle apprenne la nouvelle de la meilleure façon. Mais je pense que nous sommes prêtes. Alors je pense que maintenant, je vais dire toute la vérité à ma fille. Ne t'inquiète pas, Bonnie. Tout ira bien, tu verras. Détends-toi.